Bonjour, euh, je suis très en retard avec les podcasts, mais euh, je vais faire aujourd'hui. <laughs> euh, je suis la fête du brouillard, je m'appelle Rivana et j'espère que vous tous vous allez bien et euh, qu'on va passer un très bon moment. Euh, C'est un podcast tricot. Et je remercie à tous ceux qui sont revenus, à tous ceux qui viennent par la première fois, et à ceux qui laissent des, des commentaires. C'est toujours super bien de, de les, les lire, et, et c'est vraiment très bien de faire partie de cette communauté de, de tricot qui est vraiment très bien. Bon. On va commencer, euh, je vais vous parler des choses que je tricote en ce moment. Euh, D'abord, celui-là, que j'ai fait pour mon mari encore. <laughs> oui, il n'a pas assez de pull. <laughs> non, celui-là, je l'ai déjà tricoté une fois, mais euh, je n'ai pas aimé la, la laine. Est, elle, elle, est, elle, est, elle a commencé à boulocher et elle me brûlait les doigts quand j'ai tricoté et du coup euh, là j'ai tricoté et il, il est pull il, il est beau les pulls c'est euh, les dringés de Stephen West dringué ou drangé, euh, je ne sais pas comment on prononce euh, et du coup euh, je lui ai dit que j'allais tricoter un autre. Et alors, je vais lui donner euh, euh, comme cadeau de Noël. Et j'ai terminé, je viens de terminer le corps. C'est fini les corps. Maintenant, je vais essayer de terminer euh, les, les manches. <laughs> je ne sais pas. Si je vais réussir. Un de ces jours, euh, je, je voulais savoir qu'est-ce que c'est, euh, comment s'appelle tricot chicken, chicken, chicken tricot, un, un truc comme ça. Et euh, je pense que j'ai compris, c'est que quand on a qu'une pelote pour faire les deux manches. Je ne sais pas si, si je vais réussir. Et si c'est ça, chicken, chicken truc ouais je pense que c'est ça. Et euh, bon, enfin. Euh, je vais voir si je vais essayer de, de les terminer avec euh, cette pelote. Et euh, on verra si j'ai réussi. C'est de la derrière homme natura. Là, je sais que je suis... Euh, je vais être contente. Parce que, euh, derrière je uh, Gilliatt elle est toujours uh, vraiment très bien. C'est une laine qui est, qui est sèche, mais uh, qui est, qui elle est, elle, elle, on la porte très bien. Elle n'est elle elle pas du tout... Uh, elle, elle ne pique pas. Uh, C'est une laine qui tient bien. Et, et moi, je l'aime beaucoup. Est, et, et ce modèle, il est, il est génial. Stephen West, il est vraiment... Uh, on commence par là par le dos et on, on fait d'aller-retour des, des rangs raccourcis et puis on, on commence euh, euh, on fait le yoke et puis maintenant on, on, on tricote en rond et voilà et là là je vais je vais je vais euh, côté les manches aussi. Et, et ça, c'est génial. C'est euh, un jeu de, de maille euh, maille euh, glissée. Et, et c'est pas du tout du, du jacquard. <laughs> Mais c'est génial. Hein? C'est vraiment génial ce dessin. Et oui, voilà. Ça, c'est les drangers de, de Stephen West qui va pour mon mari. Il y a une surprise encore et je suis en train de tricoter un nuage qui est adorable. C'est, j'ai jamais tricoté, euh, c'est la première fois que je tricote du mourir C'est trop bon. Je ne savais pas. Les gens étaient toujours... Quand ils ont commencé à tricoter le, le pull euh, secret. tout le monde oh! disait oh, qu'est-ce que c'est bon. Euh, mais avant les pulls secrets, il y avait celui-là qui était est, est les pulls soirée de... Euh, attendez. J'ai tout écrit bien. Emily Foden. Et ce modèle est sorti euh, j'ai perdu des mailles ah, ah, ah. Euh, euh. il est il est sorti pour une édition d'anniversaire de pom pom euh, je pense c'était de l'année dernière et bêtement je n'ai pas acheté le, le magazine et euh, et là, je l'ai acheté euh, euh, par internet, mais mais pas les magazines, euh, euh, le magazine, l'objet. <laughs> j'ai acheté euh, parce qu'il a plus et du coup euh, j'ai acheté qui euh, qui est, qu est euh, comment on dit euh... ah, j'ai oublié les mots. Euh virtuellement voilà il est virtuel parce qu'il n'y a pas de, de papier il ya un papier il, il n'existe plus je pense donc c'est les soirées d'emily foden il est oh, très bien et cette laine et c'est une Eden cottage yarns qu'est ce que je peux dire de cette laine qui est du bien que est du bien et, et j'adore cette ligne euh, quand j'ai vu ces, j'ai vu' ces, 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 euh, cette couleur un euh, été elle a mis euh, elle a mis sur son Insta, instagram euh, un jour et puis il, il a disparu et moi j'étais complètement oh j'ai vu cette couleur <laughs> et euh, et là, il n'y avait plus. Je suis allée sur le site, il n'y avait plus. Et euh, du coup, euh, je lui ai écrit, je lui ai demandé. Et elle m'a donné le nom de la couleur. Et, euh, et du coup, elle m'a dit qu'elle allait vendre début septembre. Et là, et, vous, vous savez, il hein, y a... Il y a trois mois que, que je parle de ces, de ces pulls. Ouais, voilà, je l'ai commencé. Il est button-up. On commence par le bas. Il y avait des années que je ne faisais pas de pulls comme ça. <laughs> oui. Et il euh, n'y a pas de côte. J'avais peur euh, qu'il qu s'enroule trop. Mais bon, je pense que ça, ça la grille, elle, elle empêche... Ça, ça roule quand même, mais je pense qu'après euh, qu'il soit bloqué, euh, il y aura plus de problèmes, j'espère. Euh, puis euh, la grille elle est très facile, vraiment très facile. Euh, les premiers jours, euh, les premiers jours non, les, les premiers rangs, on, on moi je les lisais. Après. Euh, euh, j'ai j'ai c'est par coeur là euh, c'est une grille vraiment très facile ça euh, la tresse elle est sur euh, 10 et la grille la grille elle est sur euh, 4 ouais je pense que c'est 4 et, 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 et en fait c'est très intuitif parce que ça fait euh, ça fait euh, un hexagone et euh, voilà vous voyez et euh, et du coup c'est assez facile parfois j'ai fait des petites erreurs mais c'est pas grave parce que personne va, va venir ici pour voir si, si j'ai fait bien ou pas bien et, et de toute façon même avec des petites erreurs et c'est très bien et là, là, quand on arrive euh, à la, au, au manche, on, on tricote euh, aller retour parce qu'on tricote le les le dos d'abord. Là, vous voyez, il y a euh, ça, c'est parce que j'ai fait euh, j'ai fait un autre éche écheveau parce qu'elle il, il était euh, un peu. Peu trop sombre par rapport à, à cela là Là, il y a deux échevaux jusqu'ici et là j'ai quand je suis arrivé là avant avant la avant ça je quand je suis arrivé un peu ici que j'avais échangé les chevaux mais sans, sans les, les mélanger j'ai vu qu'il y avait moi je voyais la différence et du coup j'ai euh, ouais, demandé à tout le monde qu'est ce que je dois faire qu'est ce que je dois faire ah, quand on me voit demander à tout le monde qu'est ce que je dois faire qu'est ce que je dois faire c'est ça veut dire une chose ça veut dire que je sais très bien <laughs> ce que je dois faire mais que je ne fais pas <laughs> Du coup, j'ai demandé à tout le monde s'il voyait la différence entre, entre une couleur et l'autre. Mais vous voyez, moi je vois la différence. Heureusement que ça, c'est le derrière. Alors, personne ne va, va voir. Bon, peut-être que c'est que moi qui va, qui va voir ça. Euh, moi, je, je sais qu'il y a ça mais bon là, là j'ai accepté parce que c'était euh, c'est le, le derrière mes cheveux vont être euh, vont couvrir un peu ça et même si 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 je n'ai pas les cheveux euh, euh, derrière pardon donc pour les téléphones c'est la pub il euh, y a que la pub qui appelle ces téléphones euh, je sais pas vous mais euh, moi je ne prends plus les, les, les appels euh, euh, je laisse si c'est un ami il va laisser un message <laughs> mais euh, c'est embêtant hein? euh, bon j'ai parlé de des deux couleurs et du coup voilà euh, comme c'est aller-retour euh, je ne peux pas faire une euh, un rang un rang un rang c'est deux rangs deux rangs deux rangs et euh, du coup, euh, voilà, c'est, euh, on voit une petite euh, différence, mais c'est de la, la laine main c'est comme ça, elle est, la personne est vraiment très bien, moi j'adore ces laines, elles sont super bien, euh, et je vais, ah non, ça c'est après, je vais vous raconter un truc, mais c'est après une chose voilà et là vous voyez je suis alors c'est 1 2 3 4 5 6 je suis à la moitié de la manche c'est grand hein? c'est énorme la manche mais je pense qu'il est c'est un pull très doudou parce que là là c'est très très, très 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 croisé que, que on va faire et du coup cette manche elle va être euh, vraiment très grande je vais relire c'est ces, les instructions pour, parce que je pense que c'est vraiment très grand et j'ai encore euh, fait euh, plus de là parce que j'ai pensé qu'il serait un peu trop court euh, je verrai je vais voir qu'est ce que je vais faire mais bon c'est super. Je suis vraiment très contente de le de commencer, de, de le pouvoir tricoter depuis tous ces mois que je dis que je vais le tricoter. <laughs> Il est trop, trop bon. Mmh, j'adore, j'adore, j'adore. Et j'ai terminé la bête. <laughs> j'ai terminé mon... Euh, comment il s'appelle euh, berlin soft oh. oh, c'est une bête hein? euh, je vais les passer pour que vous les voyez mais après je vais je vais les l'enlever parce qu'il est vraiment très très chaud il est très chaud c'est rien Génial. Ça, vous voyez mieux vous voyez il est il est vraiment très bien euh, il est il, il, il n'est pas difficile si vous avez peur attendez si vous avez peur euh, de, de tous ces, ces, ces traits, c'est tout. Ces, pas du tout. il est... c'est un modèle qui est génial, qui est super bien expliqué. Elle, 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 il, y a, il y a des grilles. il y a des instructions très claires. c'est en anglais. bon, c'est en anglais. Euh, mais... Euh, à moins qu'on que ne sache pas vraiment euh, rien rien de l'anglais. Parce que l'anglais a un, un tricot, il, il est vraiment très facile, n'ayez pas peur. Bon, pas, pas pour des, des débutantes, hein, euh, mais euh, il, est, il est vraiment génial. Et j'ai tout mélangé. Tout mélangé. Parce que euh, euh, comme j'ai un corps de rêve... <laughs> N'est-ce pas, pas, Cécile <laughs> On a encore de rêves. Alors, on est plus fine en haut et plus, plus large en bas. Et alors, je, on commence. Moi, j'ai fait toujours M, L. Et celui-là, j'ai fait... Euh, finalement, j'ai fait euh, M. J'ai commencé par M parce que... Derrière, parce qu'on commence par derrière, par la grille de derrière. Et on va jusqu'à, je pense, à la moitié. Là. Là. Je pense. Je, si je me rappelle bien. On commence par là. Et ça, j'ai fait un M. <laughs> Sauf que j'ai oublié parce qu'entre-temps, euh, j'ai euh, commencé les Stephen West qui, qui, a, mis, euh, qui a fait de Stephen West et il a, il a fait un euh, gros ménage. Moi j'ai commencé son châle et j'ai n'ai pas réussi parce que c'est n'est pas une année à châle. Pas... Et j'ai fait plein d'erreurs et je n'arrivais pas à, à, à suivre et finalement j'ai fait que le le premier ouais j'ai réussi à, à faire le premier et j'ai réussi à commencer les deuxièmes mais je me suis arrêté et uh, et puis quand uh, c'était octobre hein? c'était c'était septembre uh, je pense c'était septembre uh, ou octobre je sais plus je sais plus on est en décembre. Vous, vous pensez ça? Vous pouvez croire qu'on est en, sept, en décembre. Moi, je suis encore en septembre. <laughs> je ne sais pas, vous, mais euh, ça passe très vite. Hein. Euh, j ai, j ai, pour, pourtant, je profite des journées. Et voilà. Bon. Ah, C'est. Euh, voilà. Alors, j'ai commencé par M. Et puis... Euh, on, on, on laisse ça euh, et on, on prend des, des, des mailles là et on commence les devants tout de suite là on commence les devants et euh, quand on arrive euh, au sous les manches ah oui c'est ça euh, oui, je me rappelle maintenant euh, on va on, on fait le, le m jusqu'ici euh, aller retour parce que c'est euh, c'est le début et puis on, on prend les, les mailles devant on prend ces mailles là devant et on fait aller retour aussi et on fait la manche là et quand on arrive au bout de, de la manche là. Euh, là, on commence à tricoter euh, les pulls, les, les deux grilles ensemble, les trois grilles ensemble, parce qu'il y a cette grille ici, il y a cette grille ici et il y a la grille là. Là, il faut être vraiment très organisé moi j'ai j'écrivais tout ce que je devrais faire par ordre euh, ce que je dois faire maintenant 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 et puis euh, j'ai écrit après près euh, euh, quand c'était des grilles petites je n'ai je n'ai montré pas mais à euh, quoi les, les grilles grandes comme celle ci celle du milieu j'ai lu dans les dans les modèles et euh, des grilles euh, petites comme celle-ci j'ai je les réécrit et euh, je lisais comme ça et puis quand on arrive ici on fait la, le, les poches voyez qui, qui, mais c'est super bien expliqué n'ayez pas c'est vraiment très bien expliqué euh, j'avais dit que qu'elle avait fait une erreur euh, là euh, dans les manches c'était où là c'était là euh, mais euh, finalement il faut que je lui écrive parce que je sais pas comment ça marchait euh, je ne sais plus si c'est si c'est moi qui, qui, qui a fait euh, qui a mal compris, mais c'est tout s'est bien marché. Euh, il y a une erreur dans... Je pense. Je ne sais pas si c'est sur celui-là. Euh, non. Non, je pense que ce n'est pas celui-là. C'était sur le, les soirées j'ai fait les les attendez euh, c'était non celui là j'ai fait bien euh, c'est les soirées que j'ai fait qui est d'un côté <laughs> mais ça c'est pas grave non plus c'est mm. et puis quand on termine tout on vient on, on on prend des, des aiguilles pour prendre les les euh, les mailles et on fait euh, on fait les boutons les boutons et, et, et les l'école Et bon et ouais j'ai oublié de dire ça. Et donc là c'était M. En haut, j'ai mis L. <laughs> Casey qui est, qui est là. Et, euh, et quand il est arrivé vers vers, euh, vers les hanches, je l'ai agrandi un peu pour qu'il soit XL. Et du coup, il est, il est vraiment très bien. Vous avez vu, il couvre bien. Euh, il faut qu'on qu soit avec un pull par-dessous. Mais euh, je peux pas les mettre à la maison. Il, il est vraiment très chaud. C'est la laine de fleur de laine. Qui est vraiment très bien. Elle est, elle, elle s'appelle Isabelle. Hein? c'est Isabelle. J'espère que tu t'appelles Isabelle <laughs> parce que c'est quelqu'un de très sympa et ça l'aimait vraiment très bien. Euh, ça a donné. Je l'ai pas encore bloqué parce que je voulais vous montrer. Et la semaine dernière, c'était la semaine dernière que j'aurais dû faire le les podcasts. Mais il euh, n'y avait pas assez de lumière, c'était tout gris. Mais euh, c'était tout gris tout le temps. <laughs> Aujourd'hui aussi. <laughs> mais euh, moi j'adore, hein? euh, j'ai rien contre. C'est le temps parfait pour euh, tricoter, pour rester euh, euh, tranquille euh, et en train de tricoter euh, et tout. Euh, moi j'adore. Euh, j'ai rien contre ces temps. Ah, j'adore mon, mon mon cardigan. Mm. <laughs> Et je parle trop vite. Hein? Oui. Mm. Ah, j'ai craqué pour une chose. Mm. Oh, regardez ça. C'est trop beau. Et ça, il y a une liaison avec euh, euh, la chose que je voulais vous raconter. Parce que je, je savais déjà depuis deux de podcasts, mais je n'étais pas sûre. Vraiment, on n'avait pas vraiment euh, les choses. Mais euh, je vais à bout <laughs> Je suis trop contente. Je vais avec mon chéri et avec euh, ma copine Sonia. Et on a déjà le, le Airbnb qui est très bien. On est dans une rue late, si, si je me trompe pas. La rue en elle-même, c'est on pouvait faire du tourisme qui est qui, qui dans la rue. C'est vraiment trop beau. Euh, J'ai regardé la ville un de ces jours. Euh, euh, des photos. Bon, j'avais déjà vu euh, dans les les podcasts de l'année dernière et de l'année d'avant aussi de, de Edinburgh yeah, Festival et euh, du coup euh, c'est une, une ville qui est qui est vraiment très belle et les couleurs les couleurs sont magnifiques euh, j'espère que tout va être bien et je pense que je vais même rencontrer euh, euh, des tricopines <laughs> Qui, qui vont aussi et, et je suis euh, je suis vraiment très contente que, que, que ça marche et euh, ouais, voilà et, euh, et je voulais faire euh, ces pulls là pour édimbourg et du coup quand je termine et c'est ça que je voulais faire euh, après que je termine ces, ces cadeaux de noël euh, et euh, tous les, les autres choses que j'ai à faire de, de noël à partir de, de janvier je pense que je vais faire euh, un un call. mais pas sur sur avery parce que je pense que euh, je, je suis euh, nulle pour, pour aller sur les corps. cette année euh, j'ai raté tous les corps que j'ai participé <laughs> et du coup euh, j'ai euh, je, je pense que je vais faire sur, euh, sur euh, Instagram et, euh, et comme ça on peut on peut se montrer qu'est-ce qu'on va tricoter mais je vais vous montrer encore qu'est-ce qu'il y a dans ces ça c'est les pulls et je pense que je vais faire un, un comment elle s'appelle elle est suisse elle est en Suisse euh, ah, j'ai oublié le nom. Elle est très sympa, elle est très serviable, très gentille toujours. Quand on veut une chose, elle, elle nous envoie toujours. Euh, regardez comment c'est beau. Ça me rappelle un peu Dune. Vous trouvez pas? Si vous avez vu le, le film Dune, les les gens du désert qui avaient le les les vêtements de des comment il s'appelait ah ceux, ceux qui avaient les yeux bleus de l'épice c'était trop bon ah, j'adore les science fiction alors hein. <laughs> j'adore ça euh, je vais vous montrer ce, euh, seulement ce que j'ai aimé parce qu'il ah, a ça qui est très beau mais c'est pas pour cette année ce qui est cette année c'est l'année du pull hein. euh, attendez il y a un autre aussi un cardigan qui est très très beau euh, ouais vraiment très beau regardez c'est ça c'est game of thrones <laughs> qui va commencer euh, la, la dernière saison va venir euh, en, en avril vous saviez et celui-là je l'aime aussi c'est un Rory, Rory locatelli je l'ai trouvé très très charmant Ouais. et c'est étonnant parce que normalement je n'aime pas ces, ces fruits là mais euh, là j'ai aimé c'est Rory. Rory, elle est capable de tous les miracles. Ouais. Oui, c'est ça. Donc euh, ça, ça va me prendre quelques temps. Ouais. Ouais, je pense, parce que euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup de travail. On verra. On va voir si j'arrive à les faire pour Édimbourg <laughs> Et oui. Euh... Il n'y a plus rien. Oh mon Dieu <laughs> J'ai parlé trop vite. Alors, je vais je vais vous parler des choses que... Attendez, où, où est Où sont mes, no euh, mes notes Je ne sais pas où sont mes notes. Oh. C'est pas grave, je sais par cœur. <laughs> euh, les choses que je vais faire je vais faire une une, euh, euh, une jupe qui s'appelle ça j'ai les noms euh, ribbon pencil skirt et j'ai profité d'une euh, d'un solde qui avait sur euh, euh, les magasins il s'appelle euh, des îles <laughs> j'ai oublié j'ai marqué tout en bas et, et c'est bon et il y avait ça et moi j'adore cette olive c'est c'est un vert euh... ouais c'est ça j'adore ça et euh, je vais faire euh, ces modèles euh, avec cette couleur normalement les modèles il est il est un, un noir mais euh, je vais faire euh, peut-être si je l'aime bien, je l'ai fait euh, un, un gris très sombre. Et un, un après ça. Mais qui après ça? Je vais faire le, les mitaines des soldats qui s'appelle euh, Millet. Millet. Et j'ai acheté la laine pour. Euh, C'est la première fois que je vais tricoter du Rauma. C'est ça? Hein? Oui, Rauma. Euh, et euh, du noir ça quaisolda pour me faire ça <laughs> euh, oui et euh, je pense que ça sera très beau et euh, parce que je, moi c'est un des mes parfaits euh, c'est un modèle qui les couleurs sont super bien et euh, et les, les modèles il est très beau aussi et donc j'ai acheté dans son son e-shop ouais euh, je pense que c'est tout est-ce qu'il y a encore des choses ah et je vais faire euh, je vais commencer je vais essayer de commencer les Rice au race de Stephen West on va voir si j'arrive avec tout ça parce qu'il y a aussi les cadeaux de Noël que je voulais faire quelque chose pour ma petite euh, nièce. Un cardigan aussi, mais euh, je ne sais pas le, le nom du... Et c'est pas grave. Je vous montrer euh, après qu'il qu sera commencé. Je vais les commencer quand je terminerai euh, les deux. là. Voilà et alors c'est tout. <laughs> euh, je, je pense que j'ai trop trop parlé, parlé trop trop vite. Euh, J'espère que vous avez aimé. Euh, on a passé un très bon moment. Euh, je voulais vraiment venir euh, vous parler. Euh, c'est dommage qu'on a raté la pleine lune, mais euh, c'est pas grave parce que. On n'a pas besoin de pleine lune pour se parler. C'est une communauté euh, des, des gens si bien que qu'on retrouve ici. Euh, une, on est une tribu si bien que je suis contente vraiment de, de faire partie euh, de cette euh, de cette tribu. Il y a tellement de gentillesse. Euh, vous êtes vraiment super. Euh, et moi je suis vraiment très contente d'être là avec vous. Donc euh, j'ai vous vous attends pour Yule. Euh, je vais essayer de faire euh, quelque chose, euh, un, un podcast après Yule. Pas, pas, pas avant, parce que je, je serai vraiment très prise. Euh, vous savez comment c'est euh, Noël, Yule. Euh, c'est la famille, la famille, la famille. <laughs> et moi, j'aurai plein de monde. Et puis, euh, je vais passer aussi euh, dans, dans l'autre, dans la famille. Euh, plus grande euh, je pense qu'on va se rencontrer aussi et il y a les, les amis qui veulent euh, être ensemble aussi alors c'est un moment que on n'a pas trop de temps mais je vais trouver un petit moment pour vous parler quand même parce que vous êtes partie de ma tribu euh, vous êtes un peu partie de Island alors euh, je vous souhaite un, un très bon mois de décembre. Profitez de, de tous les jours, même s'il pleut. Ce n'est pas grave. S'il y a du brouillard, pensez à moi. <laughs> je vous guiderai dans les noirs, n'est-ce pas, Sonia? <laughs> et euh, je vous attends à la fin du mois. Alors, je vous donne un gros, gros bisou. Je vous dis merci, merci, merci. Et à très bientôt. Ciao!